que je vous disais sur le théâtre, hein, attention, c'est pas une thérapie, on n'est pas là pour se juger, on est là pour trouver l'émotion. Bien sûr. Je suis désolé, messieurs, apparemment il y a une pénurie de détenus, alors voilà, on va devoir annuler. Attendez, excusez-moi, je crois que vous vous rendez pas bien compte. Hein. Ça représente un énorme effort pour ces deux détenus de venir à l'atelier. Alors la moindre des choses, ce serait de répondre à cet effort. Attendez, ne partez pas. Le théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est de l'imaginaire, donc on imagine une balle, hop, elle est là. Oh là là, oula, elle est lourde. Alors attention, je vais envoyer la balle à un autre partenaire. Hop. Alors on va se jouer soi-même. C'est déjà très compliqué de se jouer soi-même, de s'aimer, de s'accorder avec soi-même. Hey, on sent rien. Ma gueule ou quoi? Avance. Crache ta tête contre le sol. Les mains sur ta tête, c'est clair? Oui. Pointoué, je lui ai dit, je ne vais pas résister, vous allez m'arrêter, je veux juste savoir si elle est vivante. Il n'est pas mort dans un accident de voiture. Qu'est-ce que tu dis? Il n'est pas mort dans un accident de voiture, papa. Il a été assassiné. Bon, allez, je suis paumée là, maman, je comprends plus rien. C'était qui cette femme? Pourquoi t'as déterré cette histoire? C'était qui cette femme? C'est quoi cette connerie là? Tu joues à quoi? Justement, on joue. Elle est ma vie. Avec mes souvenirs. Précisément avec ta vie, avec tes souvenirs, avec tout ce qu'on veut. C'est du théâtre, c'est juste un jeu. Ange, pourquoi tu parles pas? Je te parle. Arrête! Pourquoi tu leur dis pas que c'est pas toi? Quand je suis seul, je m'assois sur une chaise et je pleure. Et tous les jours, je suis traversé par des émotions. Mais c'est ça la vie, être traversé par des émotions. Sinon, c'est pas la vie.